un dégât des eaux au sous-sol donc d'une habitation. L'eau remonte par le sol dans différentes pièces. Donc notamment ici, on voit plusieurs centimètres d'eau au sol. Des dégâts, des remontées d'humidité donc sur les murs. Voilà. Également, dans une pièce voisine, là on avait également autant d'eau, ça séchait un peu. Voilà. Ici on voit la moquette sur les murs complètement décollée, c'est vraiment très 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 humide. Alors en visuel, on a recherché en fait le passage des évacuations. Donc on a retrouvé différents regards. Donc là on a déjà le regard de l'extérieur ici Robert, qui est bouché. J'ai débranché. Avec remontée des eaux usées dans le tuyau. Qu'est-ce qu'il me dit? Je peux rebrancher? Je peux rebrancher? Ouais, d'accord. Après on a ici dans le placard, on va mettre un peu de lumière. Voilà, on regarde ici, on voit pas trop, mais c'est également plein d'eau. Donc on a les remontées du regard de l'extérieur vers ce regard qui est situé à l'intérieur dans le sous-sol. Et quand on tire donc la chasse d'eau, on s'aperçoit qu'au lieu d'évacuer vers l'extérieur, ça remonte ici. Alors lorsque on a l'inondation dans le sous-sol, lorsqu'on a des pluies, on a les chenaux ici des deux toitures qui s'évacuent dans ces regards donc, et qui font déborder et qu'il doit y avoir aussi une infiltration au niveau des canalisations dans le sol. Recherche de fuite effectuée.